osali no lokote otoki no kutute na pete kaka bongo yo beba pesa yo. Ouais, on m'a forcé à faire cette choré, j'y suis pour rien, autant pour moi. Trois duels aujourd'hui pour ces huitièmes de finale. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes règles, toujours les mêmes lots à gagner avec le finaliste qui remporte du maté offert par Matéador officiel, le vainqueur qui remporte un tableau retraçant son parcours par Ayam Kamala Hill et des chaussettes à gagner pour un abonné grâce à MC Protech. Premier duel, premier huitième de finale de cette journée, très très gros choc. Manu Imoru qui affronte James Léa Seliki du Stade Rennais. Vraiment un très gros duel entre les deux. On y va. Vous êtes bien installés, c'est bon? Ouais. Une place en quart de finale se joue maintenant. 15 questions, les règles ont changé. Vous avez le droit désormais qu'à une seule réponse le plus rapidement possible. Donc soit vous savez, soit vous ne savez pas. On y va ? Merci. Première question. Où a eu lieu la Coupe du Monde de foot en 2010 ? Actif Allemagne. 1-0 pour James. 1-0 pour James. Deuxième question. Quel est l'équivalent des Oscars en France ? 2-0 pour James. Ça va vite, il est concentré. Troisième question. À quel siècle a été inventée l'imprimerie ? 15e. Combien ? 15e. Ouais, vous avez répondu en même temps. C'est fort. Quatrième question. Question capitale. Quelle est la capitale du Brésil ? Brasilia. C'est faux. Brasilia pour Imoru. Je le savais, gros. La tête, je le savais. 2-1. James, t'aurais pas dû parler. Cinquième question. Quel super-héros est amoureux de Lois Lane ? C'est bon pour Manu, 2-2. Il y a des choses que je veux revoir à la vidéo. tu pourras, mais ça se joue à rien. Messieurs, vous êtes très bons. Sixième question. Combien d'étoiles compte le drapeau américain ? 50. Oui, 3-2 pour Manu. Oh, 50. Il est bon. Septième question, il y a largement le temps. C'est fini là, non ? Dans quelle ville se trouve le Manneken Pis ? Le quoi ? Le Manneken Pis. Rapidement, messieurs. Non. James ? Los Angeles. Comment ? Los Angeles. Mais non, c'est à Bruxelles, c'est le petit qui fait pipi là. Ah, le mannequin de pisse. Le mannequin pisse. On a rien compris à ce que t'as dit. Le mannequin pisse. Ouais, moi je croyais que c'était de l'anglais, genre. Moi aussi j'ai compris. Ah. Le mannequin pisse, genre. J'allais dire soit ça, soit Londres en vrai. Ah, le mannequin de pisse, on m'articule, frérot. 3-2. Non, ça se dit mannequin pisse, hein. Ouais, mais articule, t'as dit, enfin, je sais pas. 3-2. Huitième question. Quelle est la particularité du macaque japonais ? Macaque japonais, frère. Rapidement. Il sait parler ? Non. Il est blanc. Il a la face rouge. Comment est également appelée la Transat Jacques Vabre ? La Route du Rhum ? Non. Manu, rapidement. Je sais pas. La route du café. Toujours 3-2 pour Manu. Dixième question. Combien de nouvelles chaînes sont apparues grâce à la TNT ? 10. Non, Manu. Il y en a plus que ça, il y en a, je sais pas, 15. 12. Oh, merde. Onzième question, on se rapproche de la fin. C'est toujours Manu qui mène. Qu'est-ce qui est ? Dentelle, Suzette ou fourré ? Vêtement. Non. T'as dit quoi, Manu ? J'ai rien dit. C'est quoi ? Dentelle, Suzette ou quoi ? Ou fourré. La chouquette. Non, la crêpe. Ah, c'était presque ça. Il reste 4 questions. Comment s'appelle
Le renard dans Dora l'exploratrice. Oui, pour James. 3 partout. 3 partout. Il reste 3 questions. 3 questions largement accessibles en plus. Qui est le président de l'Inter de Miami? Oui, pour James, 4-3. Je suis un trou du cul, la vie de ma mère. 4-3 pour James. 2 questions. À combien de kilos équivaut une tonne? Oui, pour James, 5-3. C'est gagné pour James. On fait la dernière question. De quelle couleur est le rubis? De quelle couleur est le rubis? Le quoi? Le rubis, non. Violet. Non plus, c'était rouge. Victoire de James, qui revient de loin. Il revient de très loin. Et se qualifie pour les quarts de finale.